Le Furet du Nord ouvre un nouveau chapitre de son histoire. La librairie a inauguré ce matin son 11e magasin dans la zone commerciale d'Auchan-Anglo. 1800 mètres carrés, dont 1550 mètres carrés de surface commerciale. Pour le Furet du Nord, c'est un pari. Après les fermetures des antennes de Tourcoing, Dunkerque et Saint-Quentin, 2 ans de réflexion ont été nécessaires pour aboutir au projet et 1,5 million d'euros ont été investis. Cerise sur le gâteau, des emplois ont été créés. On écoute le président du directoire du Furet du Nord au micro de Frédéric Regnault. Un magasin comme celui-ci emploie 22 personnes. Donc c'est autant des gens qui viennent d'autres Furets du Nord que des gens qu'on a embauchés pour gérer le magasin, sachant que ça crée de toute façon au moins 22 emplois puisque ceux qui sont arrivés ici ont été remplacés dans leur magasin d'origine. On a des métiers très divers puisque ça va d'hôtesse de caisse, qui est un métier à part entière, à libraire, à disquaire, à responsable des jeux vidéo, à responsable du multimédia. Et pas petit, bien sûr, qui est notre deuxième métier. Donc, non, non, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les ambitions et les professionnalismes.